nous voilà pour une nouvelle vidéo sur Battlefield. Oui, ça faisait longtemps. Sauf que là, c'est la nouvelle. Ils ont sorti une saison, donc c'est la saison 1 de Battlefield 2042. Ils l'ont appelé Zero Hour. Heure H. Aucun rapport avec la version française. Bref, nouveau fond pour accueillir les personnages. Et surtout, donc un pass de combat. Avec des objets gratuits, des objets payants. Donc, coup de bol, le spécialiste, c'est payé, c'est gratuit. Et les deux nouveaux hélicoptères aussi sont gratuits. Bien. Donc, moi, j'ai le premium qui est actif parce que j'ai la version collector. Donc, ceux qui ont la version collector auront le premium actif. Donc, j'ai déjà débloqué l'ensemble de spécialistes. Vision absolue pour Angel. Un nouveau skin pour le AC-42, un nouveau fond, machin, bref, après, c'est du Call of Duty, pardon. Bref, donc, un pass de combat de 100 niveaux, je crois. Il me semble, oui, vas-y, allez, avance. Donc, il y a des skins pour chaque personnage. Le dernier étant pour Liz. Le nouveau spécialiste qui est Brise-Ciel. Donc vous avez des pièces Battlefield. Donc on en a combien d'ailleurs là? Alors on en a 100 ici. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1100, 1200, 1300, 1300 donc pièces Battlefield et les nouvelles armes, donc il y en a 3 nouvelles aussi. Donc vous avez le BSVM, donc qui est le fusil d'assaut silencieux, la russe, on a dans d'autres jeux, je sais plus exactement comment il l'appelle, bref, il est gratuit. Le lance-patate fumigène qui est un équipement, donc celui-là est gratuit aussi. L'arbalète, le Ghost Marker R10 gratuit aussi, gratuite pardon aussi. Et je crois qu'en nouveauté, en nouveauté je crois que après c'est des skins, il y a des skins légendaires. Des cartes, des skins qui sont plutôt sympas. Il est pas mal le frôlonné pour. Même pour les véhicules, c'est plutôt sympa. Des skins sympathiques, sauf d'autres. Bon. Lui qui m'intéresse, c'est Casper, parce que je joue beaucoup Casper. Malheureusement, son skin, c'est un skin de pilote, quoi. Bref, je préfère l'autre qu'ils avaient offert avec la version collector. Donc voilà! Donc voilà, des nouveaux finishing. Donc cela n'est pas gratuit. Mais il y a pas mal de choses gratuites. Hein. C'est vrai que c'est pas mal. Et les trucs essentiels sont gratuits. Donc c'est pas forcément pay to win. Enfin, pay to play plutôt. Donc le nouveau spécialiste, les nouvelles armes sont gratuites. Pas mal de skins. Et donc ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a une nouvelle map. Et la nouvelle map, elle, est gratuite pour tout le monde. Et vous n'avez qu'à aller jouer. Bien, alors pour les missions disponibles semaine 1. Donc vous avez des missions pour la semaine 1. Et vous avez des missions bonus. Membre de l'équipe ravitaillée ou soignée. Donc, tac, 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 tac. Et on gagne des points. Et ces points vont nous faire progresser en fait dans le... Dans le... Ce que j'ai compris, c'est comme ça que ça marche. Voilà, donc vous voyez, on a 10 points. Palier de passe de combat suivant, 10 points. Donc il faut les pas. Donc 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12. 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça fait 13 points. Ouais, c'est assez. Gagner de l'XP, terminer des missions. Hebdomadaire pour gagner 10 points. De passe de combat requis pour progresser dans chaque palier. Chaque semaine, une mission bonus à durée limitée peut être débloquée. Terminez là pour gagner des jetons supplémentaires. D'accord, voilà. Donc passer premium à tout moment pour accéder aux récompenses des 100 paliers. Donc ça, c'est machin. Débloquer des récompenses. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc il faut faire les missions pour gagner des points et ou gagner de l'XP.
Donc voilà. Donc c'est pas trop trop mal. Ils ont su équilibrer plus ou moins le gratuit du payant. Tout ce qui est vraiment payant et c'est vraiment skin. Tout ce qui est gratuit, donc tout ce qu'ils apportent en plus dans le jeu, donc le nouveau spécialiste, les nouveaux hélicoptères, les nouvelles armes, sont toutes gratuites. Voilà, donc pour la vidéo de la map, je ferai une vidéo quand je tomberai sur la map. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et puis, à plus.